Bon, alors que je vous explique, on est juste à côté de la Suisse, à la Dole exactement. Et donc on va faire une petite nuit de bivouac tranquille. De quoi? Voilà, et la petite neige qui a fondu. Donc voilà, on va faire une petite nuit à la Dole tranquillement. On va monter des hauteurs, on va vous montrer tout ça. On espère qu'on n'aura pas trop froid au sommet pour dormir. Ça, on verra bien. Ça, on verra, mais on est préparé pour. Tiens, bâtard. Putain, je viens de marcher dans la neige, ça s'est enfoncé dans de la flotte. Oh, regarde, j'ai de la neige dans mes chaussures. Ah, oh, putain. Toi aussi? Fais-moi les miennes là. Oh shit. Bah moi, tout va bien. Hein. Acheter d'équipement Salomon, c'est de la bonne qualité. Bon, on vient de faire une petite pause boisson. On va encore monter la colline et normalement avant 18h on arrivera à la Dole au sommet pour avoir la vue sur le lac Léman. Et donc voilà. Il est complètement juste toute ma. Il est complètement con. J'ai toute mon énergie en grave. C'est très con. Ok, j'ai une patate d'enfer là. On a mangé une barre, donc on a pris du sucre. Donc là, on a des forces, on a du sucre qui coule dans les veines. Waouh, ça fait du bien. Ça va, Bergel? Ouais, ça va. Bon, on va continuer à monter. Mes mains, elles sont gelées. Échec, hein. Oh merde. Oh non. Tu vas où? Reviens. Oh là là. Ah, j'ai trop froid. Petite pause. Ah, moi j'en peux plus, là. C'est bon, les péripéties, c'est fini. On est bientôt arrivé au sommet, les gars. Regardez-moi ce spectacle. Pensez qu'elle fait combien de centimètres? Il est là! Ici! Quoi? Attends, what the fuck? Attends, il y a une découverte dernière minute là. Wow. Oh les gars, ça vaut. Oh regardez. Ça vaut une fortune. Une fortune d'au moins 40 centimes, je sais pas. C'est un numéro 7. Et par rapport au mien, là, ça c'est les nouveaux Opinel, ils ont la virole. Et donc à l'époque, il y avait pas de virole. Donc on pouvait pas tourner, c'était juste fermé ou ouvrir, mais il y avait pas vraiment de sécurité. Voilà, on en fait quoi maintenant? 16h20, on a un peu glandé, faut qu'on arrive vite en haut. Qu'on fasse des plans et qu'on commence à descendre pour installer le camp. Allez, le hiker fou, nous on monte en grimpant. On monte en courant, je veux dire. Oh là là, je suis fatigué, ça affecte mon cerveau. Wesh. Fin de parcours. Bon, en gros, que je vous explique, on a laissé Théophile au refuge un peu plus bas parce qu'il était fatigué, il en pouvait plus. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on en a profité pour poser les sacs en même temps. Et comme ça, on allait au dôme qui est juste là plus rapidement. Donc voilà. Oh putain.
avec. On va essayer de dormir dans le coin là. On pense qu'on peut trouver un endroit plat. C'est un endroit plat avec des arbres pour nous protéger du vent. Et là c'est juste magnifique où on est. On pense qu'on va trouver bientôt là. Et c'est parti pour le montage de tente. T'es vraiment tu les tires bien. Garde ça. Un peu. Là vraiment j'ai pas la foi. Bon, après avoir laissé galérer Théophile et Paul à monter leur tente, moi je vais aller chercher du bois du coup. Vous me détestez les mecs ou pas? Oui, un peu, ouais. Ok, ils me détestent, voilà, c'est cool. Hop. Hop. Skol. Grammes, je crois. C'est quoi 800 grammes. 800 kilos. Et un peu rapidement. Oh, Zobby, non. Putain. Les 33%. Ouais, 32. Ok. Ouais. L'air pas mal. Ouais, tu es mal. Voilà ce qu'on va manger ce soir. La viande qu'on a chassée tout à l'heure. Bonne de ouf la viande. Une autre tournée. Bon bah écoutez, nous on va continuer cette petite soirée tranquillement avec ce petit feu de camp, ce petit camp qui est vraiment magnifique. On vous souhaite à tous une bonne soirée et puis on se retrouve demain pour la suite. Allez, ciao ciao. Bon mais écoutez, là on est en train de démonter le camp actuellement. On va éteindre le feu avec la neige qui est juste là.
Ouah. Ah. Ok. Oh. Ah. Non. Attends. Ah le mec. Ah. 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 Aïe. Aïe. Ah, je suis niqué. Ah, je suis vraiment mal. Oh non. Oh mec. Non, c'est scandaleux ce qui vient d'arriver. Direct. Ça va. C'est hardcore, mec. Ça va, ça va. Oh, c'est trop beau là.